Bonjour les petits loups! Donc aujourd'hui nous allons faire. Déjà, je vais prendre une poêle. Je mets de l'huile d'olive. On en rajoute encore un peu. Regardez ce que j'ai acheté. J'ai acheté ça, c'est des omelettes aux crevettes. Voilà. J'ai acheté ça chez les magasins asiatiques. On va faire ça ensemble. Il y a juste à ouvrir le paquet. C'est pas un truc compliqué, ça, ce soir, il n'y a rien à... Voilà, c'est une omelette. Et vous laisse, on laisse 5 minutes de deux côtés. Voilà, vite fait, bien fait, une grosse omelette. Quand vous ne voulez pas vous casser la tête à faire à manger, tout il est prêt. Voilà les petits loups. On va laisser cuire ça tranquillement. Il ne faut pas décongeler, hein. C'est directement, il y a marqué, il ne faut pas décongeler. Directement mis à la poêle. Bon, en attendant, je vide le micro-ondes. Le micro-ondes. Qu'est-ce que je raconte? Le lave-vaisselle. Bon, normalement, on ne doit pas poser comme ça. Là, j'ai posé comme ça par flemme. Hein. Dans la logique, il faudrait disposer comme ça. Mais je ne vais pas vous mentir, j'ai la flemme, alors je jette comme ça. Quand j'ai pas la flemme, je mets comme ça. Mais bon, pas tout le temps, hein. Pas mentir. Hein. Mais ça lave, hein. Ça lave très très bien, ne vous inquiétez pas. Hein. Bon, je vais vider mon micro-ondes. Mon lave-vaisselle micro-ondes, j'insiste. Là, je vais retourner. Et j'ai aussi des boulettes de poisson saveur crevette. Je vais les ouvrir, soit on peut les mettre au micro-ondes, à la friteuse ou dans l'eau bouillante. Moi, je vais les mettre au micro-ondes. J'ai acheté ça dans un truc asiatique à Paris. Hein. Je ne me rappelle plus de l'adresse. Hein. J'ai acheté plein de trucs asiatiques. Hein. Voilà, ils disent qu'il faut ouvrir juste comme ça et laisser au micro-ondes 3 minutes. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est censé être ça. Et... Je crois que je vais les cuire encore un petit peu parce que 3 minutes, c'est pas ça. Ouais, je vais les chauffer encore un peu. Voilà, c'est des poissons, des boulettes de crevettes. Je vais les refaire au micro-ondes parce que ça m'a, ça a pas l'air cuit. Hein. Je vais faire une soupe aux poireaux, pommes de terre, hein, vite fait, bien fait. Je fais fondre du beurre. Je mets un oignon, c'est rapide. De toute façon, je peux mettre ça comme ça. En gros, vu que on va mixer tout ça, vous laissez ça. Moi, j'ai pris les poireaux congelés, hein, que j'ai rincés. Parce que j'ai plus de vrais poireaux, hein, de toute façon. C'est pareil, ça va être bon, ne vous inquiétez pas. De toute façon, j'ai déjà rincé, hein, je peux les mettre avec l'eau, parce qu'on va rajouter de l'eau après. Voilà. Et du sel, du sel. Il est mon sel, que je recherche mon sel. Il est là. Et du persil. Voilà, ma soupe, elle est prête. J'ai mis encore un petit peu de persil à l'intérieur. Et voilà ma petite soupe. Poireaux, pommes de terre. Elle est chaude. Hein. Ce qui nous laisse le lendemain, je suis partie faire un tour au marché, comme vous voyez. Bon, il a plu. Hein. Il a plu. Sinon, il y avait des ensembles comme ça, roses. Il n'y a pas les prix.
Il y a des vestes comme ça. Ils ne mettent pas les prix. Je vais demander, il y a en marron et en noir. J'ai demandé c'est combien. Bon, celle-là elle est à 60 €. Et celle-là elle est à 70. Je ne sais pas si vous voyez bien. Sinon vous avez ceux-là et petite doudoune à 50 €. Et là vous avez le gilet à 25 €. Si, il y a des belles choses quand même. Voilà. Vous avez le petit manteau comme ça. Problème, enfin, je peux vous demander le prix à chaque fois, il n'y a pas marqué. Bon, après, on n'est pas dans les magasins non plus. Bon, le manteau, il a 15 €. Après, vous connaissez, hein, ça, c'est tout à 1 €. Voilà, tous les trucs à 1 € qu'on cherche. Puis les compagnies. Bon, les prix, c'est pas 1 € qui fait 5 €. Mais en général, ils vendent tout à 1 €. Là, nous avons des tuiles à 6 €. Ils sont pas mal, hein. Il y a toutes les couleurs, gris, bleu, vert. Sont pas mal les tuiles, ça donne ça. 2 € les trois, pas mal, hein. Sinon ça c'est pas mal, c'est du cachemire, hein. Cachemire là, 1 € il est bon, les écharpes, il y a toutes les couleurs, c'est au marché de Nanterre, hein. Elle est jolie cette couleur rose, 13 €. Nous l'avons en bleu, en gris. Là, vous avez des petites doudounes à 49 €. Vous avez toutes les couleurs. Celle-là, elle est pas mal aussi. Celle-là aussi, elle est pas mal en noir. Ils sont cintrés. Des trucs comme ça, 5 €. Bon, c'est du nylon, c'est pas du coton par contre. Là, j'ai la vaisselle, tout à 1 € en vaisselle. Exemple, il a 7 comme ça, 1 €, tout à 1 €. Sauf ça, 5 € par contre. Sinon, le reste, 1 €. À part cela, 75 centimes. Là, vous avez une jolie théière à 12 €. Pas mal la théière. 12 €. Ça, 1 €. Ça, c'est pas mal pour avoir les goûter à 2 €. Les goûter pour amener votre repas à midi. Ça se vend comme ça, 2 €. Ça, c'est pas mal. Et pour les œufs, pareil, 2 €. Pour mettre les œufs. Bon, après, vous connaissez, hein, tout ce qui est 1 € et compagnie. Hein. Je suis sortie du marché, là, sur la côte Leclerc de Nanterre, qui est à côté. Il y a un petit magasin déco. Ils vendent ça à 39,99 € avec une grande horloge. Sinon, vous avez des tables comme ça, à 129. Et voilà, une table comme ça, à 99 €. Bon, c'est la déco, hein. C'est un petit magasin, il y a marqué déco. Voilà, ça donne ça en fin de compte. J'ai juste devant l'entrée de la porte de Leclerc. Là, vous avez des horloges à 29 €. 29. Une penderie comme ça. Bon, la penderie, je vois pas le prix. Je suis désolée. Vous avez ça à 59 €. Voilà, les 59 €. Voilà le magasin, c'est ça, c'est un petit magasin, il n'y a personne à l'intérieur. Hein. Pas de vendeur, rien. Ils vendent des boîtes. Voilà, c'est tout ce qui est déco. Voilà, voilà. Je vais vous montrer de la vitrine. Et une vendeuse textile est demandée dans son rayon, s'il vous plaît, merci. Voilà, ça fait ça. Sinon, il y a ce magasin. Ce magasin est très joli. C'est une maison décoration, pareil. Hein. Ils vendent des assiettes, des verres, tout ce qui est déco. Des boîtes, 4,99 €. Des grandes boîtes, des boîtes comme ça. Plein de choses. Des assiettes comme ça. Des couteaux, ensemble de couteaux à 9,99 €. Les prix sont abordables. Voilà, tout ce qui est plaid. 19 €. Et plein de petites choses comme ça. Et la petite horloge à 24 €. Celle-là, elle est jolie, 24 €. 14 €.
On a plein de petites déco comme ça, vous voyez. Celle-là, cette déco à 39 euros. Là, vous avez des cadres, pareil. À 39 euros. Et l'horloge à 24. Parure de couette et compagnie. Ça varie, vous avez de 15 euros à 33 euros. Le plaid, il a 11 euros, il est doux. Voilà, plein de petites choses, comme ça, les petits loups. 33 euros les parures de couette, les oreillers, 8 euros. Les oreillers comme ça ou comme ça. Là, tout ce qui est pour enfants. Exemple, ça, 6 euros. La petite licorne à 4,99 euros. Moi, ce que j'aime bien dans ce magasin, c'est la vaisselle. Regardez, la vaisselle, elle est trop belle. 3 euros. Les assiettes, les bols, 2,99 euros. Les tapis de douche, là, à 8,99 euros. Il y a plein de petites choses. Il y a plein de choses. Donc, et puis, je fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.